une gourde rouillée. C'est une nouvelle zone. Des os, des boyaux, des yeux, une brosse à toilette. Ah, elle m'en voudra pas la gueuse. Ah non. Tu te calmes, Thérèse. Bonjour. Vous êtes nombreux à me regarder sans être abonné. Regarde comme ça rend triste cette licorne. Alors pour sauver les animaux magiques, abonne-toi à la chaîne. Et en plus, tu me feras vraiment plaisir. Merci. Et un énorme merci tout particulier à tous les membres de la Super Max Family. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire, ça y est, enfin la suite Devil Nun de Broken Mask. Vous le savez, le chapitre PC de la nonne psychopathe qui nous fait peur. Et aujourd'hui on va faire un des deux nouveaux chapitres. Keplerians nous ont fait plaisir. Il y a celui du rituel satanique je crois et celui du labyrinthe. Ça va être génial et effrayant. Et avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la toute dernière manette sortie de Xbox. Il s'agit de la Deep Pink, donc la rose profond. Donc elle était sortie en exclusivité aux États-Unis et ça y est, elle arrive chez nous dans nos contrées européennes. Regardez, un magnifique rose bonbon avec l'arrière blanc, des détails noirs, vraiment le combo parfait pour tous ceux qui aiment le rose ou alors cette esthétique là. Moi j'aime beaucoup. Regardez l'arrière de la boîte, très joli. Très sympathique comme d'habitude hein. Les manettes Xbox très confortables, très fashion, très oui oui monsieur madame. Regardez Deep Pink Xbox. Alors bien sûr l'ouverture toujours très facile, la petite languette ici, on enlève. Oh waouh, ce fut facile. Maintenant il n'y a plus qu'à soulever et à voir la bête en réel. Ouh, regardez la beauté. Alors vraiment c'est un rose très joli. Comme son nom l'indique, c'est un rose profond, c'est-à-dire que c'est pas un rose très pâle. Il est vraiment très coloré, bien saturé on va dire, avec tous les détails en rose hein. Les boutons centraux, le X là, les joysticks, le dessous des joysticks, vraiment tout est rose. Sauf bien sûr l'arrière qui est blanc pour apporter un peu de légèreté, et les gâchettes noires et le dessus noir pour ajouter de la force, et les boutons bien évidemment qui sont noirs mais avec des détails roses. Regardez, oh, X, A, Y et B sont en rose. Très sympathique, j'aime beaucoup la bonne prise en main, les petites texture grips ici et là pour bien ici aussi hein, vous voyez en rose, pour avoir une bonne prise en main. Le D-pad très performant, j'adore hein, cette manette, elle est vraiment agréable. Dans la boîte on a les petits papiers et bien sûr les piles, ça fonctionne à piles. Il n'y a pas de batterie vendue avec comme toutes les manettes Xbox, mais la batterie se vend séparément si vous voulez acheter une batterie et la charger, ça avec un câble USB ici, voilà. Et bien écoutez, c'est sympathique, c'était un petit unboxing pour montrer la nouvelle couleur. Là vous le voyez hein, j'ai en face de moi toujours à dispo bien évidemment la navy, je sais plus, la camo navy, je sais plus comment ça s'appelait, c'était la blue camo, voilà c'est ça, blue camo ou un truc comme ça. J'aime beaucoup hein, vous savez moi je suis team bleu, mais je trouve que la rose est sympathique hein. Moi j'ai sorti mes manettes en fonction des jeux, c'est n'importe quoi mais c'est comme ça. En tout cas voilà, la dernière elle est là, c'est la Deep Pink, elle est dispo. Dites moi eh bien si vous l'aimez et qu'est-ce que vous en pensez. Et maintenant back to the video. Et maintenant, il est temps de lancer le générique. Énorme merci pour tous vos commentaires. Il est l'heure de lire trois commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo. C'était la vidéo sur The Man From The Window 2, la suite du jeu de l'homme bizarre qui te regarde par la fenêtre. C'est creepy. Le premier commentaire vient de Max10 qui me dit « Hey Max, c'était pour te dire que j'ai aimé ta vidéo, comme d'hab, t'es le meilleur, à 7 minutes 56. Le jeu s'appelle Beware the Shadowcatcher, de 33 minutes 13 à 33 minutes 15 avec ce que Junior a dit à sa mère. Je pense que The Man From The Window 3 est confirmé et qu'on reverrait Audrey adulte avec son fils ou sa fille. » Tu penses qu'on aura un The Man From The Window 3 où on découvre l'histoire de l'homme à la fenêtre? PS, tu pourrais faire No Strings Attached et continuer Choo Choo Charles. PS2, dans ta vidéo précédente, t'avais dit que les vidéos du dimanche seront spéciales, mais il y aura toujours des vidéos gaming où tu joues. Merci pour ton commentaire très complet. Oui, merci pour le jeu, ça s'appelle Beware The Shadowcatcher, le jeu qui a été développé par le même développeur que The Man From The Window. Oui, je pense... Potentiellement, il peut y avoir une suite. On apprendrait l'origine peut-être de The Man From The Window. Avec, là, on nous a surpris avec le bond dans le futur. Peut-être qu'on fera encore un bond dans le futur ou dans le passé. No Strings Attached, je ne connais pas. J'irai voir un peu ce que c'est que ce jeu. Pour Choo Choo Charles, on verra. Ce jeu m'a plu sans vraiment me faire une claque genre waouh, comme la crêpe. Mais voilà, on verra.
pas sûr. Pour l'instant, c'est pas prévu. Et bah, pour les vidéos de dimanche, oui, vous l'avez vu, hein, c'est des vidéos de gaming, mais avec des invités très spéciaux. Il y a déjà eu Kimberley Kaye qui est venue et qui a joué à Granny. Et il y a eu Madame Duclicot, la professeure, qui a joué à Baldi. Voilà, donc c'est du gaming, mais pas que. Le deuxième commentaire vient de Sébastien Ernie qui me dit: je suis grave contente que tu aies fait la suite de The Man from the Window, mais j'ai remarqué que c'est quand même facile à gagner. Sinon, je t'adore, cœur sur toi. Merci pour ton commentaire, cœur sur vous tous. Oui, c'est vrai, c'est un peu facile, hein, la suite, là, le 2. J'ai été moi-même étonné. Il suffit de retenir les endroits où il va aller et ensuite de se cacher ailleurs. Peut-être que j'ai raté des choses, mais en tout cas, moi, les 2-3 parties que j'ai faites, c'était plutôt simple. Et le troisième commentaire vient de Anna Fernandez qui me dit: The Man from the Window, je l'ai en normal, mais alors la suite, wouh! Et moi, ma pizza préférée, c'est aussi la margarita. Je sais pas comment ça s'écrit. Sinon, je crois qu'il y a beaucoup de nouveautés sur Scary Teacher 3D, donc j'espère que tu en feras bientôt. Force à toi, bonne continuation, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Je prends tes encouragements. Oui, je sais, Scary Teacher 3D, c'est prévu, mais peut-être que ce sera pas moi qui vais faire Scary Teacher 3D, peut-être que ce sera un professeur, par exemple, puisque Scary Teacher, ou alors un élève. Peut-être un élève, un professeur, je ne sais pas, faudra voir. Merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va jouer à Evil Nun The Broken Mask. C'est parti, je vais prendre clavier et souris, ça se passe sur PC. N'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut. Ah, et puis dites-moi dans les commentaires combien de vues a cette vidéo au moment où vous la regardez. Pour regarder le nombre de vues, vous l'écrivez dans les commentaires. C'est parti, merci. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et ça y est, nous voici dans l'écran d'accueil d'Evil Nun The Broken Mask. J'avais oublié, mais en fait, on peut jouer à la manette, donc j'y joue à la manette. Donc, c'est parti, on fait jouer. Je vais reprendre ma partie Delir de Max. Et voilà, ça y est, ça commence, regardez. Si vous aimez faire des trucs, talala, les licornes, les bombis, les bonbons. C'est parti, alors, je vais ici. On va ouvrir ça, on ouvre. On va ici, on ferme. Et on verrouille. Voilà, au moins ici on est tranquille. On avance, on va aller voir la pièce du Graal. Je crois que c'est à droite. Oui, regardez, nous avions déjà fait cette première énigme, celle-ci, le mystérieux tableau. Non, c'est pas le nom de l'énigme, hein, vous avez compris. Donc, maintenant, il faut aller trouver le Graal quelque part dans l'école. Hein, voilà. Donc, sachant que, normalement, on l'entend un peu, je retourne dans l'école et on va aller chercher le Graal qui doit se cacher quelque part. C'est rien. Ouh là là, elle a entendu. Alors, j'ai envie d'aller voir en haut. Oh là, maman. Non, me voilà pas du tout. C'est pas moi, je m'en vais. C'est tout. Voilà. Ha ha ha, comment elle passe? Allez, salut, moi je monte. J'ai envie d'aller voir dans la cuisine s'il n'y a pas le Graal. Faut que je trouve le Graal. Graalouné, j'ai besoin de toi, mon Graalouné. Où es-tu? Peut-être il peut être là. Non. Est-ce qu'il peut être là-dedans? On va aller voir. Non? Est-ce qu'on peut courir? Je sais plus, je crois pas qu'on puisse courir. Hein. Non, il est pas... C'est quoi ça? Un fusible? Mais, quoi, faut refaire le fusible? Mais oui. Oh non, il faut refaire le fusible! Alors que j'avais déjà tout fait! Allez, on ouvre la charnière, tac, tac. Est-ce que ça va? Ah bah voilà! Ok, j'ai ouvert. Ça c'est fait. Oula, on peut s'accroupir, c'est pas ce que je veux. Je veux le Graal. Où est-il? Peut-être qu'il est dans l'école, dans les classes. Et en tout cas, il faut le chercher. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je peux ouvrir ici? Bien sûr. Sauf que ça a fait du bruit. Bon, on va y aller quand même, hein. Allez, trouvons le Graal. Il peut être n'importe où, sachant que c'est un environnement très très grand. Waouh, c'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est nouveau? Ah! Non! Cours! Pourquoi il court pas? Parce qu'on peut pas! Je vais aller voir dans les salles de classe, après j'irai voir là-bas. Aïe! Ah, bah c'est bon, je l'ai semé, la vilaine. Allez! Salut la vilaine! Je t'ai semé, Edmé. Hop, bonjour l'école, bonjour. What? Faut un code! Mais où est-ce que je le trouve, moi, ce code? Oui, dis donc. Bon, est-ce que le Graal, je vais avoir une indication, parce que c'est quand même très très grand ici, dis donc. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de trucs. Dans la première mission, c'était facile. J'ai oublié quelque chose, viens ici. Non, tiens. Voilà, je fais du violon. C'est pas beau. Go. Ok. Est-ce que ça peut être là?
Non. Est-ce que ça peut être là? Oh, un balai. Je peux me cacher ici. Mais c'est pas là que je veux aller. Là, c'est le théâtre. Là, une salle de classe. Formidable. Oh, c'est quoi? Une lampe. Très bien. Là, il y a la boule. C'est quoi ça? Une lampe. J'ai vu des trucs qui clignotent. C'est quoi là? Ah ouais, faut mettre le livre et tout. Par là. Bah, y a rien. Hop. Par là. La salle d'art. Graal? Pas de Graal. Non, mais d'accord, hein, c'est pas grave. Oh, par ici, on peut sortir. Ah non, je peux l'ouvrir de l'autre côté. Aïe, aïe. Ah, il faut un code ici. Bon, eh bien, je cherche. Je sors. Bye, je suis dehors. Voilà. Oh, elle m'a fait peur, celle-ci. Bon, je crois qu'il faut que je sorte par là pour ensuite déverrouiller la porte. Donc, on va par là doucement. Bim. Et maintenant, je déverrouille. Voilà, super. Monsieur... Oh, le Graal. J'ai trouvé le Graal. Super. Merci. Bah, prends-la. J'ai la coupe magique. Eh, hey, monsieur, regarde. J'ai la coupe magique. Ok, il n'a pas l'air très content de me voir. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, j'ai déverrouillé ici. Super. On avance. On va déposer le Graal. C'est-y par. Je dois retourner dans ma petite chambre. Oui. C'est par là. Paris. Attendez, elle est où ma chambre? Non, j'ai fait du bruit. Je sais pas où elle est ma chambre. Elle est là. Ok, ferme. On ferme. On verrouille. Ouais. Ok. Let's go, let's go, let's go, let's go. On va poser le Graalounet ici. Ici. Hop. Oui. C'est déjà fait. Première mission réussie. Alors, quelle va être la mission? Attention. Roulement de Graal. Ah. C'est quoi? Aucune idée. Mais je comprends pas le tableau. Ouais, c'est quoi? Le labyrinthe? Avec les chaussures? Faut faire les chaussurées. La course souterraine, c'est le labyrinthe. Alors qu'est-ce que ça dit? Je pense que je suis le plus vieux des gars ici. La nonne diabolique n'a aucune pitié. Elle aime bien nous humilier avec ses masques. Il semble que si on lave et plie tous les vêtements qui tombent du trou, cela nous apporte de la nourriture. Bien que nous ayons presque toujours faim et que nous devons chasser les animaux, est-ce que quelqu'un viendra nous sauver? Le garçon aux mains bleues est parti, mais il n'est pas revenu. Oh, quelle tristesse! Allez, je prends la clé blanche et on va pouvoir déverrouiller une nouvelle porte, peut-être dans l'école. Donc, on se retrouve à l'école en espérant que ce soit là. Et en même temps, j'ai un doute parce que le souterrain... Ok, j'ai ouvert la porte. Tac. Est-ce qu'il y avait une porte ici? Qu'est-ce que ça dit? Escalier? Non. Je vais fouiller un peu à cet étage-là, voir s'il n'y a pas une porte verrouillée avec une serrure blanche. Porte blanche. Hii. Oh, il y a la voiture qui est là. Ah bah oui, mais non. Je veux pas me faire écraser, moi. Non. 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 Ça va pas ou quoi? Folle, elle. Oh, il y a un escalier ici. Regardez. On est dans la buanderie. Oh, d'accord, j'ai déverrouillé ce passage. Ah. Où ça? Là. Ah, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Là, il n'y a pas de porte blanche. Ok, je vais passer par là. Salut. Salut, 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 salut. Oh, il y a la bonne nonne qui m'a vu. Au secours. Par où, par où? Là, ça va être fermé, là, j'imagine. Ok. C'est bien dans la pièce du feu, regardez. C'est juste ici. J'ouvre le cadenas et je peux aller en bas. En fait, je me suis souvenu tout simplement du jeu mobile. C'était par là qu'on accédait au labyrinthe. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, hein. Il y a des trucs chelous. Donc, il y a le mécanisme du labyrinthe. Là, il y a un bout du masque. Il est là. Et j'imagine qu'il faut que je crée une potion. Mystérieuse note. Vous en sortez très bien. Vous avez bientôt récupéré tous les morceaux du masque. Cette fois, il faudra trouver la sortie de ce labyrinthe pour recevoir votre récompense. Serez-vous assez rapide? Ben... Ouais, mais il faut que j'ai une potion. Alors, comment on fait? Bon, écoutez, j'appuie. Ok, on y va. Est-ce que je peux y aller déjà sans potion? Je vais aller voir. Oh! Pourquoi je descends? Oh non, mais c'est vraiment trop compliqué par là. Oh, avec la nonne qui va arriver, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, je sens qu'on va galérer. Y a pas d'escalier? Quoi, c'est déjà fini le temps? Oh là là, on est où?
Bah oui, moi je vais dans des cul-de-sac, pourquoi pas. Ah, oh, ça allait être ouvert ici. Oh non. Alors attendez, je vais essayer de le faire dans le sens inverse pour voir le chemin le plus court. Tac, tac. À mon avis, il faut un truc pour aller plus vite. Et alors, comment on crée la potion qui va vite? Et est-ce qu'il y a des secrets dans ce labyrinthe? Mystère, mystère. Regardez, il y a des trucs au sol. Il y a un Graal. Là, c'est verrouillé. Là, il n'y a rien. Il y a la musique qui fait boui-boui. Oh, qu'est-ce que c'est? Une gourde rouillée. Une gourde rouillée? Qu'est-ce que... Oh, mince! Donc ça veut dire qu'il faut en faire quelque chose de cette gourde. Donc il y a des énigmes et des trucs à faire. Alors qu'est-ce qu'on... What? Quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'on en fait de cette gourde? Ah, par là, regardez. Il y a des trucs, il y a des mains. Oh là là, il y a une recette. Ok. Ouvre-moi ça. Moi, je vais laisser ça là. Mais, ouvre-moi... Ça ouvre pas ici? Oh non! Bon, eh bien il faut que je trouve l'accès pour aller chercher la recette. Donc, je vais essayer de suivre par là. Ça me semble plutôt pas mal, effectivement, regardez. Donc là c'est quoi? Il y a des mains. Et là, il y a la recette. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut une gourde, ok. Une brosse et une potion. D'accord, il faut aller mettre tout ça dans l'ascenseur des petits bonhommes mains bleues qui me fabriquent les objets. Arrête de chanter, tu me fais peur, Evelyne, là. Oh non! Ouvrez-moi, monsieur, je suis enfermé. Bon alors, attendez, est-ce qu'il a ouvert de l'autre côté du coup? On ne le sait pas. Je pense que oui, parce que j'ai vu que c'était ouvert. Là. Faut bien qu'il m'ouvre, hein, de toute façon, sinon je vais être bloqué. Voilà! Donc, je vais d'abord aller placer... Elle est là? Comment je fais pour sortir, moi? Elle est gentille. Il faut que j'aille par là. Attention, le feu, ça brûle. Je vais aller placer déjà ça au niveau de l'ascenseur. On fait peur au bonhomme? Coucou! Il a eu peur. Alors, l'ascenseur... Qui c'est par là-bas? Ça m'intrigue quand même, cette porte. Faudrait que je trouve le code un jour. Un jour ou l'autre, je trouverai le code. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors, l'ascenseur, il est juste là. Et donc, hop, on va placer la recette, déjà. Oh, il y a la recette de ça. Attendez. Ok, nouveau plan disponible. Brosse, gourde, potion. Alors, j'ai la gourde. Je vais chercher les autres objets. Peut-être qu'il y a un objet ici. Ça me semble quand même assez... énorme comme zone pour pas qu'il y ait un seul objet ici pour l'énigme. Regardez, c'est le réfectoire. On apprécie. Là, il y a un livre. J'ai pas envie d'avoir un livre. Là, il y a les vestiaires. Peut-être qu'il y a une brosse. Une brosse aux vestiaires. Écoutez, ça ferait sens. Étant donné ce cachet. Non. Le casier. Non. Non. Et... non. Il n'y a pas de brosse. Ici, pas de brosse. Dans les toilettes... Pas de brosse. Ici. Alors. Non. Moi, j'ouvre tout, hein. Je fouille. J'ai peur de rien. Pardon? Excusez-moi. Non. D'accord. Non, mais bon, bah, j'aurais vu, hein. J'aurais vu, y a rien. On va aller voir dans les autres vestiaires. Par exemple, ici. Je m'accroupis comme ça. Objet? Il n'y a pas d'objet! Et bien alors je sors, on y va, on va aller voir le dernier vestiaire tout à gauche. Par ici, par là. Voilà, on va commencer par les toilettes bien sûr. Rien, on fait le tour. Rien. Et rien. Les casiers. Non. Oh! Celui-là il faut un code. Ok, donc c'est pas là, ils auraient pas mis ça ici. Là, rien. Oh, mais moi j'étais persuadé que ça allait être ici. Oh non, bon attendez, je vais déverrouiller ici quand même. Voilà, comme ça j'ai une issue si jamais elle arrive. Je vais donc fouiller à l'étage. Est-ce que je peux grimper? Oui, il faut que j'aille au bout là-bas. Je vais quand même aller voir les chaises parce que des fois il y a des choses sur les chaises. Ah,
c'est le code. Bon, j'en ai pas besoin parce que ça, c'est pour une autre énigme. Mais oui. On va aller en haut. Hop là. Par ici, merci, bonjour. Je cherche une brosse, s'il vous plaît. Une brosse à cheveux. Ah, pas forcément neuve, mais bon, d'accord. Je peux pas passer par là. C'est pas grave. On va aller par ici, merci. Alors, une brosse. Brosse. Bon, ceci dit, s'il y a la potion, je prends la potion aussi. Hein. Ça me va. Bon, écoutez, je crois que là, je ne passe plus. C'est pas là. C'est pas là, visiblement. Cherchons ailleurs. Je suis à la cuisine. Ah non. Allez, on descend. On va essayer de trouver les autres objets. Dans les chambres. Là, il y a quoi? Rien. Quelque chose me dit que c'est dans le labyrinthe qu'on va trouver des infos et des objets. Donc, je retourne au labyrinthe pour voir si je trouve pas quelque chose. Parce que ça me semble bizarre qu'il y ait toute une zone et juste pour, voyez ce que je veux dire, deux objets. Déjà, je vais récupérer la gourde, hein, ça sera utile. Oh, regardez. Oh, 3914. La salle, le code. Ok, bon, bah je remonte hein, avec la gourde et je vais aller dans la salle de science. Je pense que toutes les réponses seront là-bas. Donc, j'ai la gourde et je m'en vais. Je vais passer par l'escalier. Ok, ce sera plus simple par là. Je sors. On va déposer la gourde et on va faire le 3914 pour déverrouiller la salle de science. Go! Alors, on place déjà ça là. Non mais, s'il te plaît. Voilà, un objet ici. What? J'ai entendu un bruit. Bon, moi, je vais là-bas. Hein. Je vais faire le code. Allez, on y va. Go. Elle est pas derrière moi? Non, elle est pas derrière moi. Elle est pas derrière moi? Elle est pas derrière moi. Ok. Oh, oh, 3914, on y va. On vérifie quand même qu'elle n'est pas là. Non. Non. Alors, 2, 3, 9, 1, 4. On valide. Ouais. Ferme la porte. Merci. Waouh. C'est une nouvelle zone. Oh là là, on va devoir. On va devoir. On va devoir faire la potion, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est quoi ça? Oh, il y a du ketchup, des os, des boyaux, des yeux, des petits pieds, du mercure, mais, de la bile, de l'extracteur à liquide, un mélange de laboratoire, de l'extracteur à plantes, l'extracteur à viande, une ventouse. Qu'est-ce que vous voulez que je... C'est pas une ventouse, c'est une brosse à toilette. Mais c'est une brosse à toilette. Alors, attendez. Déjà, à mon avis, il manque un ingrédient. Fougère, fleurs parfumées, fleurs de sauge. Eh, comment on fait la recette? Ah, regardez, il y a la... D'accord. Il y a la potion. Bon, alors, attendez. D'abord, moi, j'ai une brosse à toilette. Et je sais qu'il y a des toilettes par ici. Là. Alors, est-ce que on peut utiliser la brosse à toilette? Là, on peut pas. Ah. Toilette sale. Ah, c'est... Ah. Oh. J'ai la brosse. Ouais, brosse. Bon, bah, j'ai la brosse. Je suis content. Je vais aller la placer tout de suite. Comme ça, peut-être que ça fera du bruit là-bas. Donc, j'ai le deuxième accessoire, ingrédient, objet nécessaire pour faire la potion magique. Donc, je vais jeter la brosse là-bas. Go. Voilà, avec toute la délicatesse qui me caractérise. Et je vais maintenant voir pour fabriquer la potion. Alors, je sais pas pourquoi il a besoin d'une... Alors, une gourde et la potion, ok, il va mettre la potion dans la gourde. Mais la brosse, je ne vois pas pourquoi. Bon, bref, on ferme et on va essayer de se renseigner sur la recette. Alors, la recette. D'accord, on peut pas lire. Ah, les objets sont en blanc. Mercure, une plante rouge, je vois écrit red, et des yeux. Alors, le mercure. Le mercure, je l'ai vu pas loin. Lâche. Oh, j'ai fait du bruit, elle va venir. Attendez, mercure, fougère. Fougère, ok, il faut la fougère. On va faire la fougère. Extracteur à plantes, c'est où? Viande, mélange de laboratoire à plantes, là. Ok, il y a l'extracteur. Alors, j'ai mis la fougère. Ensuite, les yeux. Les yeux, c'est là. Il faut les mettre où? La bile, Mélange, extracteur à liquide. Non, cet ingrédient n'est pas un liquide. À viande, alors. Ah, il considère ça comme de la viande. Ok. Et ensuite, il y avait le mercure. Le mercure. Ah, le mercure, il est là. Ok, je l'ai. Je le mets où? Extracteur liquide. Oh, ingrédient incorrect, l'explosion a fait beaucoup de bruit. Zut. Je vais m'en aller alors. Salut. Bye. Bon, bah, je refais un tour et puis j'attends que la nonne me laisse le champ libre pour faire la potion. Merci. Oh,
Elle est là. Maman! Elle me voit! On y va, 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 on va refaire une petite potion, c'est pas grave. Hein? Voilà, voilà. Elle m'en voudra pas. Elle m'en voudra pas, la gueuse. Bon, alors, c'est que c'était pas la plante verte. Alors attendez, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Ah, c'est de la sauge! Ah non, red leaves! Mais je suis bête. C'était des plantes rouges. C'était des plantes rouges. Et moi, j'ai pris les plantes... Oh, mais elles sont où, les plantes rouges? Red leaves, petits pieds. Blurk. C'est pas des pieds qu'il faut. Red leaves. Mélange de laboratoire. Bon, alors, attendez. Déjà, on va remettre le mercure dans le liquide. Voilà. On va prendre les yeux. Non. Elle a entendu un bruit. À viande. Et il me faut les feuilles rouges. Bah écoutez, je vais essayer avec la fleur de sauge. Hein. On va voir. À la plante, c'est là. Oh oui, c'était ça. C'est prêt. Donc je prends le contenant à potion et je récupère. C'est où? Ah non. J'avais la potion. Désobéis encore, je te frappe plus fort. Oh oh oh. Tu te calmes, Thérèse. Ok, je suis de retour dans la pièce. Je vais prendre la bouteille vide. Merci, et je vais prendre la potion. Mélange de laboratoire. Ok, c'est plein. On sort. On sort, on sort. On va aller... Non, pas par là. Pas... Si. Non. Non. Si. Oui, par là. Je suis perdu. Je vais aller donner la potion. Il va me fabriquer le truc. On retourne au laboratoire. Laboratoire. Labyrinthe. Et on va tenter d'aller vite, vite, vite pour récupérer le bout du masque et terminer ce chapitre. Allez, on y va. Tiens, voici. Merci. Fabrique-moi ça. Go! Allez hop! Quoi? Quoi? Elle est là-bas! Elle est là-bas! Ah! Arrête, vilaine! Elle me suit? Il y a un objet! Elle me suit! Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre l'objet? Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai la potion. Elle est où? Bon, moi je vais là. Salut, 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 salut. Oui, 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 oui. Bye, 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 bye. Go, 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 go. Allez, on retourne au laboratoire. Mais pourquoi je dis laboratoire, moi? Non, c'est pas là. Il faut que j'aille en haut. Il est où, l'escalier? Il est là. Allez, go au labyrinthe. C'est parti. Elle va être là. Hop, allez, on va au labyrinthe. C'est parti. Voilà, voilà, voilà. On descend tranquillement. Heureusement qu'elle ne peut pas venir ici. Enfin, je n'espère pas. Et on va aller donc interagir avec ça. Et boire la potion, c'est parti. J'ai bu la potion, on se dépêche. Go. Je sais pas trop dans quel sens aller, mais j'y vais. On descend, il faudra que je remonte à un moment donné. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hii. Je sais pas du tout par où c'est. Là, je remonte. Bois la potion, monsieur. Oui. Ah, j'ai la partie du masque. Ok. Je l'ai. Je l'ai! Allez, il faut que j'aille maintenant à ma chambre. Sans me faire attraper. C'est juste à côté normalement. Oh, mais pas trop haut, monsieur! Mais dis donc! T'es bien énervé. Ah! 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 Ah, la queue leu-leu! Ma chambre, je. Ah, elle est là, juste à côté. Oui! 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 Fermeture de la porte! Et voilà! Et voilà! On descend. Aïe, aïe! M'a fait peur. On va par là. On va par là. Et on met le deuxième bout du masque. Et on a fini ce chapitre. Le Graal se lève. Le Graal vole. Le Graal tourne. Le Graal tourne de plus en plus vite. Et le Graal s'en va et nous quitte. Oh. Il faudra aller le chercher pour faire la prochaine mission qui est le sacrifice. Mais ce sera dans une prochaine vidéo. Et oui. Et voilà qui termine ce nouveau chapitre Devil Nun The Broken Mask. C'était le chapitre du labyrinthe. Pas facile, pas facile. Mais on y a réussi. On y a réussi, ça veut rien dire. Mais vous m'avez compris. Alors bah dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte eh bien, de voir la suite et le nouveau chapitre du rituel satanique. N'oubliez pas de laisser un joli pouce vers le haut. Abonnez-vous et partagez cette vidéo au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Le beau mystère à mettre dans les commentaires est potion. Oui, comme la potion qu'on a bu pour aller très 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 vite. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!